Mesdames, Messieurs les membres du cabinet du ministère de la Jeunesse et des Sports, Mesdames, Messieurs de la presse, tout organe ici présent, Mesdames, Messieurs les membres du comité du pilotage, Monsieur le président de l'Association des journalistes sportifs du Mali, Monsieur le directeur national du sport, Monsieur le directeur du sport militaire, Mesdames, Messieurs, l'occasion qui nous réunit ce matin valait la peine que nous vous invitions pour que vous en soyez les premiers porteurs et les premiers messagers. Il s'agit du tournoi sportif des régions du Mali pour la paix qui se tiendra à Gao du 5 au 12 mars 2021. Ce tournoi, au-delà de l'aspect sportif, constitue un rendez-vous entre le Mali et lui-même, entre les enfants du Mali du sud au nord, autour du sport bien sûr, mais au-delà du sport, il s'agira pour nous de signifier clairement la nécessité aujourd'hui pour notre pays de réunir l'ensemble de ses enfants autour des idéaux de la paix, la cohésion sociale, de l'unité nationale. Et le sport est un moyen extraordinaire pour nous aider à cela. Cette activité sportive vise à renforcer la stabilité sociale, le processus de réconciliation nationale, la promotion et la consolidation de la paix et du vivre ensemble. Le tournoi vise également la promotion de la pratique sportive dans les régions du nord de notre pays. Cette initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports est placée sous la haute présidence de Son Excellence, Monsieur le vice-président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La semaine sportive nationale rassemblera les jeunes de toutes les régions du Mali, du nord au sud et au centre, à savoir à Kidal, la région de Kidal, Tombouctou, Gao, Mopti, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Kai, Bamako et l'Union sportive des forces armées de sécurité ISFAS, qui sera l'équipe qui aura un statut d'invité d'honneur, et cela également avec toute la symbolique que cela constitue. Chaque région viendra dans la cité des Askia avec une délégation de 50 personnes prêtes pour la compétition. L'organisation de ce tournoi sportif pour la paix et la cohésion sociale a pour but de contribuer à la consolider l'unité nationale par le biais du sport. Ce tournoi vise également à contribuer au renforcement du tissu social, la consolidation de la paix en vue de la restauration de l'espoir chez les jeunes de notre pays. De façon spécifique, ce tournoi permettra de promouvoir la paix et la cohésion sociale par le sport, impliquer les acteurs de la société civile, les collectivités locales, les élus locaux dans la relance des activités sportives et de jeunesse. Favoriser une rencontre sportive en vue de renforcer l'unité nationale, permettre les échanges entre les jeunes du Mali par le sport, promouvoir la citoyenneté, le développement participatif, l'esprit de tolérance, la prévention de l'extrémisme violent à travers des conférences et ateliers en marge du tournoi. Il s'agit enfin de contribuer à la relance des activités sportives et de jeunesse sur l'ensemble du territoire national. Les activités se dérouleront dans les disciplines sportives retenues, à savoir le football pour les garçons et le basketball pour les dames, toutes catégories confondues. Sur les bases des dispositions prises au niveau de chaque région et avec l'implication des autorités administratives et des collectivités, des sélections seront faites par disciplines sportives précitées pour participer au tournoi. Cette animation mobilisera toutes les personnes ressources engagées dans cette activité. Parallèlement à ces activités, dans les disciplines retenues, une discipline traditionnelle comme la course des chameaux, la course des chevaux seront également organisées.
dans les différentes disciplines, football, basketball, chaque région arrive dans la capitale régionale d'accueil avec une équipe prête pour la compétition. Je rappelle encore qu'il s'agira des régions de Kidal, de Tombouctou, de Gao, de Mopti, de Koulikoro, de Sikasso, de Ségou, de Kaï, de Bamako et de l'équipe de l'Isfas en tant qu'équipe invitée d'honneur. Voilà, chers amis journalistes, mesdames, messieurs, le résumé succinct du sens que nous donnons à ce tournoi sportif. Je rappelle encore une fois que ce tournoi sera sous la haute présidence de son Excellence le colonel Assimi Goïta, vice-président de la transition, parce que aussi le vice-président est en charge des questions de défense, de sécurité et de paix. Donc sa présence parmi nous à cet événement apportera un rayonnement attendu à cette fête et à cette rencontre. Sur ce, je vous remercie pour votre réponse massive à notre invitation. Je profite de l'occasion pour souhaiter à l'ensemble des journalistes de la presse écrite, audiovisuelle et autres, je vous présente mes vœux les plus sincères de bonnes et heureuses années. Que cette année soit une année où vous aurez que des bonnes nouvelles à nous transmettre. Que cette année soit une année où nos journalistes ne seront que des journalistes dans l'action positive et dans l'accompagnement sans faille à la réussite de la transition. Je vous remercie.